Donc là, juste devant, il y a le Ratsin. Et là, il doit y avoir un banc de poissons parce qu'il y a énormément d'oiseaux à la pêche. Et donc, avec, il y a les dauphins. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ah, là, il y en a un. À la caméra, ils vont peut-être être trop petits, hein, mais ils sont tous là, quoi. Alors moi, ça fait une semaine que je suis à la traîne. J'ai attrapé aucun poisson. Ouais. Ils sont pas très très gros, mais... Ouais. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais... Il y en a un paquet. Le Ratsin, et ben on en a chié. Là, j'ai rarement mis le moteur à autant de tours pour arriver à passer, parce qu'en fait on n'est pas arrivé à la bonne heure, hein. Donc on a le vent de face, le courant de face, la houle de face, et on a les dauphins, mais donc on le passe, mais chaud. Allez, bientôt. Pas mal là. On va aller voir plus loin.
pareil, on peut l'attacher. Une chaîne. Là, gros caillou. Je couperai pour cela si j'entends ça. Donc petite étape aussi qui arrive souvent dans la plaisance, c'est qu'en plus d'être carrément nul à la pêche, j'oublie de remonter ma ligne de traîne quand je vire de bord. Donc maintenant, il faut que je descende en dessous pour la retirer de la ligne d'arbre. Et ouais, je suis très fort pour ça. Salut. Bon bah on est le dimanche 31 juillet. Et on vous le fait pas voir, mais il fait super beau. Voilà, on arrive à voir un petit rayon de soleil entre deux énormes nuages. Donc là, on essaye, enfin, on essaye pas au niveau quand même. On va au-delà, non. C'est pareil, c'est un petit peu un rêve de Normand. Enfin, les rêves, enfin, les Normands, tout ça, c'est les Normands. Normalement, aujourd'hui, on y est. Sauf grosse avarie, mais on y est. Donc par bonheur, la première île, c'est le Mouton. Et donc en quarantaine, pour grippe aviaire. Donc là, bah, on ne fera que passer. Et puis bah, on va continuer vers les autres. Sachant que Bénodé, il y a 10 000, c'est pas énorme. On était à 5-6 nœuds, là on tombe à 3. Bon voilà, en 3 heures, on va y être. Mais quoi qu'il arrive, ce soir, il faudra faire un retour vers Bénodé, car demain, après-demain, va être entre 30 et 40 nœuds. Bon. Donc on va reprendre notre mouillage. La gueule, je vois. La vie en rêve en fait, elle est en train de vivre en rêve, elle en peut plus. Voilà. Bon bah on essaiera de vous faire quelques images de l'Énan sous un ciel gris. Désolé. Donc notre première île des Glénans, l'île aux moutons. Donc celle-ci, on n'a pas le droit de descendre. Donc là où on voit la petite plage, en fait on peut y aller au mouillage. On peut s'y mettre au mouillage pour débarquer. Mais là c'est pas possible. On va aller voir les autres.